Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours sur le son O qui s'écrit EAU dans l'épisode de Taoki qui s'appelle Quel rodéo? Nous allons maintenant lire les mots et les phrases. Alors, les mots, je vous rappelle, je vous laisse toujours un peu de temps pour lire vous et ensuite je lis moi. Un château. Un traîneau. Un bateau. Des moineaux. La peau. Des barreaux, beaucoup, nouveau. Alors, je pense pas qu'il y ait de mots qui vous posent trop de problèmes, à part peut-être barreaux. Les barreaux, c'est les barres en métal que l'on va avoir dans les prisons, par exemple, ou dans les cages. On pêche l'animal ou la personne qui est enfermée de sortir. Le reste, je pense que ça vous pose pas de problème. Alors, les phrases. Déjà, je vous laisse le temps de lire la première phrase. Alors, des louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Donc là, des louveteaux, ce sont des petits loups. Et on nous dit donc qu'ils sont en train de boire de l'eau dans le ruisseau. Vous avez vu, boivent, boivent, E-N-T, hein, E-N-T, je vous rappelle que à la fin d'un verbe, c'est un mot qui dit ce qu'on est en train de faire. Quand on le voit, on ne le prononce pas, il indique juste qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire ce que dit le verbe. Donc là, qui est en train de boire? Ce sont des louveteaux. Vous voyez qu'ils sont plusieurs, c'est pour ça qu'il y a ENT à la fin. Deuxième phrase. Un chameau est attaché au poteau près du chapiteau. Alors, un chameau, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et donc là, on doit être dans un cirque, hein, il y a des chances. Et il est attaché au poteau près du chapiteau. Le chapiteau, c'est une espèce de grande tente que mettent les cirques dans lequel ils font leur spectacle. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. À plus tard!